Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui, Lelou Nishmat Avram, Mordechai Ben Yitzhak Vefani, Lorléa Bat Beila, Armand Amram Ben Sulika et Shalom Ben Habiba. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine vidéo, Michel, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à sortir avec Perek Bet, Mishnah Bet. Shnei Achim, Umet Achad Mehen, Vibe Machen Yeteshet Achiv, Vachakach Nolad Lahen Ach, Vamet, Arishona Yotzet Mishum Eshet Achiv, Shelo Aya Beolamo. והשנייה משום צרתה. עשה בה מאמר ומת, השנייה חולצת ולא מתייבמת. רבי שמעון אומר, מייבם לאיזו מהן שירצה, או חולץ לאיזו מהן שירצה. Je vous avais dit dans la Mishnah précédente que le cas de la première Mishnah va être plus ou moins le même dans la Mishnah bête ensuite. D'accord? On va réexpliquer, c'est le même principe avec une petite nuance. On parle de, toujours du Eshet Achiv, Shelo Aya Beolamo, la femme de son frère qui n'était pas dans un même monde. Soit, comme ça m'a expliqué, on va reprendre le cas de la famille d'hier. Il y avait Reuven et Shimon, chacun il avait sa femme. Reuven, il était marié à Rachel, et Shimon, il était marié à Abigaïl, une étrangère, qui n'a aucun rapport avec Rachel. Le problème est que, maintenant, il y a Reuven, il est décédé. Et, entre-temps, il y a eu un petit Lévi qui est né. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé que Lévi, il est né alors que Shimon ne s'était pas encore marié avec Rachel. Et donc, on avait vu qu'une fois que Shimon va se marier avec Rachel, faire le hiboum à Rachel, eh bien, elle va communiquer son interdit à Abigaïl, et lorsque Shimon va décéder sans enfant, Lévi ne pourra pas faire le hiboum. Ni à Rachel, bien évidemment, mais même pas à Abigaïl non plus. À présent, on va découvrir une situation différente. Qu'on a Réhouven et Shimon, qui sont toujours mariés à Rachel et à Abigaïl. Lévi n'est pas encore né. Réhouven est décédé. Shimon s'est déjà marié, en plus de sa femme Abigaïl, et il a pris en hiboum, il a fait le hiboum à Rachel. Et puis là, Siman Tov ou Madame Tov, naît le petit Lévi. Et quand il naît Lévi, il découvre que Shimon, il a deux femmes. Maintenant, il ne connaît pas l'historique de Rachel, qu'en fait, la pauvre, c'était une veuve de son premier frère. Lui, il naît, il voit une femme qui est la femme de Shimon. Alors, pour selon Chachamim, qu'on va voir dans la première vie de la Mishnah, c'est exactement la même chose, ça ne change rien au problème. Puisque Lévi n'a pas été dans un même monde avec Réhouven, il n'a jamais rencontré son frère Réhouven sur Terre. Un, il est décédé, seulement après l'autre, il est né. Il s'avère que Lévi n'a aucune permission, possibilité de se marier avec Rachel. Ouais, parce qu'ils n'ont jamais été ensemble dans une même fratrie. Il faut bien comprendre, peut-être qu'il manque un petit détail. Imaginez qu'en plus, de manière générale, s'il y a trois frères, et une femme qui a un mari et un frère qui décède, et le premier qui se marie, et le deuxième qui se marie avec sa femme, et après le deuxième il décède, le troisième il aura se marier avec elle. Ouais, même si elle a deux fois le hiboum, quand il se marie, c'est elle qui fait le hiboum que du deuxième, pas du premier. Pour le premier, ils ont essayé de faire le hiboum, ils sont mariés, ça n'a pas donné de fruits, tant pis. Pour le maintenant, lorsque Shimon a décédé, son troisième frère, il pourra la se marier avec elle s'ils étaient dans un même monde. On revient maintenant dans le cas de notre Mishnah. Est-ce que cette fois-ci, ça va changer la donne, le fait que Shimon s'est marié avec Rachel avant la naissance de Lévi? Selon Chachamim, ça ne change rien, ça a tous les mêmes problèmes. Il y a exactement la même Mishnah qui va me dire il y aura le même interdit, s'il a juste fait les Kiddushim à Amar et qu'il décède, et ensuite Lévi, il voudra. Tout le reste, c'est la même chose. Cette fois-ci, on va découvrir qu'en fait, en réalité, il y a Rabbi Shimon, qui est la fin de la Mishnah, qui va me dire, non, cette fois-ci, c'est différent. Lorsque Lévi naît, et qu'il découvre qu'il y a maintenant son frère Shimon qui est marié déjà avec cette Rachel, au moment où il s'est marié avec Rachel, il a supprimé complètement l'interdit du premier frère. Parce qu'en théorie, se marier avec la femme de son frère, c'est interdit. Et si Shimon s'est quand même marié avec elle, c'est qu'elle a accompli la mitzvah au moment où il s'est marié, il a pulvérisé, il a dissipé complètement le premier interdit du premier frère, de manière à ce que lorsque Lévi ensuite va vouloir, lorsque Shimon va décéder sans enfant, eh bien Lévi pourra se marier avec cette sœur. D'accord? C'est toute la Mishnah, avec l'histoire du Mahamar, je n'ai pas envie de le répéter parce qu'on l'a déjà fait dans la Mishnah précédente, vous avez déjà assez compris. Je préfère y aller droit au but pour dire l'essentiel de la Mishnah, les petits détails, les contourner un petit peu pour ne pas compliquer davantage. Shnei Achim, Umet Achad Mehem. Il y a deux frères et un qui décède. Donc il y avait Reuven et Shimon, et un des deux qui décède, Reuven en l'occurrence.
Veibem Hasheni et Eshet Achiv. Et le deuxième, Shimon, il a fait le hiboum à Eshet Achiv, à la femme de son frère, à Rachel. Et seulement après est né le petit frère Lévi, une fois qu'elle était déjà mariée. Et ensuite, Shimon va mettre. Il est décédé, Shimon, lui aussi. Alors la Mishnah va dire, Arishona, la première, Rachel, qui était la femme de Réhouven déjà, Yotzet Mishum Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, elle va sortir de chez lui, elle va être permise à se marier avec n'importe qui, parce que c'est une vraie veuve, parce qu'elle n'a pas de Zikat Yiboum, elle n'est pas préposée au Yiboum face à Lévi, parce que c'est une Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, parce que c'était la femme de son frère qui ne se sont jamais rencontrés sur terre. Vachnia, et la deuxième, Avigail, la femme de Shimon, elle va être elle aussi dispensée de Yiboum parce que Mishum Tsarata, parce que ça devient la Tsara, la co-épouse de Rachel. Maintenant, entre parenthèses, Asaba Mahamar, si Shimon il a juste fait, c'est exactement le même qu'avec la Mishnah précédente, Asaba Mahamar, si Shimon il avait juste fait le Mahamar à Rachel et seulement qu'il est décédé, mais sans avoir fait le Yiboum, eh bien, va mettre et après il est décédé, Ashnia Chol, c'est dans le même mettre. Abigail va faire la Khalitsa, mais pas le Hiboum. Ok? Sur ça, on a Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne, mais Yabem le Eizo Mehen Sheir, c'est le petit Lévi, il peut faire le Hiboum à celle qu'il veut parmi les deux. Il a même le droit de faire le Hiboum à Rachel ou à Abigail. O Cholet les Omen Sheir, c'est aussi, il pourra même faire la Khalitsa à celle qu'il veut parmi les deux, parce que les deux, elles sont préposées au Hiboum, et en l'occurrence, s'il ne veut pas faire le Hiboum, il devra faire la Khalitsa, et comme ça, l'une va dispenser l'autre, et l'autre va dispenser l'un, parce que elles sont toutes les deux aptes à le faire, à faire la mise à du hiboum. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.